Bonsoir. On faisait quelques petits réglages de dernière minute. Ici au PA, l'orchestre poétique d'avant-guerre, comme Isabelle vous l'a dit, on fait de l'improvisation, c'est-à-dire que tout ce que vous allez entendre là n'a jamais été joué, ne le sera plus jamais. C'est pour ça qu'on enregistre tout ce qu'on fait, au cas où il y aurait des trucs géniaux, parce que ça nous arrive aussi des fois. Donc on enregistre tout pour ne pas perdre une miette de ce concert totalement improvisé. Donc on vous souhaite un bon voyage poétique et musical. On remercie le collectif SDF d'avoir organisé toute cette soirée pour nous tous et pour les gens du quartier, pour essayer de les mobiliser, les sensibiliser, notamment donc à la scène des fêtes, mais aussi finalement au vivre ensemble et à comment on peut décider ensemble de comment on veut vivre dans nos quartiers. On sait que les politiques diverses et variées n'ont qu'une ambition, c'est de nous soumettre à leurs diktats et à leurs décisions. Donc quand on est des citoyens responsables et qu'on essaye de s'organiser, ben, on est content, nous, au PA, de venir soutenir ces causes-là quand elles sont bonnes et quand elles partent du bas pour essayer de grimper un peu plus haut. Donc merci au collectif SDF. Vous pouvez vous applaudir, c'est très bien ce que vous faites. Alors comme Isabelle a dit aussi, je suis partie de l'association Droit au Logement. Donc quand on m'a dit qu'on va jouer pour le collectif SDF, j'ai une confusion mentale terrible. J'ai dit, bon, Grand Parc aussi, alors, carrément, il y a un collectif. Mais en fait, non, après, j'ai compris que c'était pas du tout. Voilà, mais bon, il doit y en avoir pas loin aussi, donc pensons aujourd'hui aussi à tous ces gens qui dorment dehors ce soir et qui, malgré le froid, tout ça. Donc, bon concert, messieurs, dames, bon voyage. Compagne, compagnon, nous aurions tort de penser que nous vivons dans un vieux monde qui serait en train de s'effondrer. Nous aurions tort de penser que le chaos vers lequel il semble s'engouffrer n'est que l'inconséquence, l'imprévisible, et que de cet état, nul ne pouvait présager. Car il n'est point de chaos pour nos maîtres, et rien ne dissout les privilèges de ceux qui nous asservissent. La dictature est là. Elle n'est plus à nos portes. Elle est entrée dans nos maisons. Elle est dans nos postes de télévision, dans nos radios, dans nos journaux, dans nos écoles, dans nos porte-monnaies, dans le regard oblique que nous portons sur les choses. La dictature est là, elle nous préside, elle est là, ici et maintenant. Alors, nous pourrions nous voiler la face, continuer nos luttes stériles et ancrées dans un système qui nous engonce et qui nous tue. Pourtant, l'heure de nos actes sonne et nous ne pouvons plus détourner le regard. Voilà peut-être notre chance, car il faudra d'abord se regarder bien en face et porter sur chacun de nous, à commencer par nous-mêmes, un regard d'amour et d'extrême sympathie. À la croisée, nous sortirons debout des ornières, ensemble, main dans la main, comme si nous avions toujours marché comme frères et comme sœurs. Et plus jamais nous ne porterons de chaîne.
C'est vraiment grand bonheur que tu sois venu à notre rencontre. C'est vraiment grand bonheur pour nous. Puisque du haut de notre chair, nous étions prêts à nous tendre. Puisque du haut de notre chair, nous étions prêts à nous tendre. Nous avons ouvert nos yeux et nos oreilles, et toi-même tu le sais, toi-même tu t'en doutes, il n'y a pas que des éclats de rire à ramener, toi-même tu le sais, toi-même tu t'en doutes.
qui parmi nous reprendra la parole ? Car tournoyant dans un espace clos et ouvert, nous savons qu'il existe, aussi ancré que nos peurs, aussi prégnant et friable, nous savons qu'il existe l'amour. Et c'est pour ça, c'est grand bonheur pour nous que tu sois venu. C'est grand bonheur pour nous de te recevoir. C'est des textes que j'ai pas écrits aujourd'hui en fait. Hein. C'est là où je me dis des fois, putain, c'est vrai en fait. Des fois, on a ce truc un peu d'inspiration, c'est-à-dire qu'on écrit bien avant des trucs qui arrivent après, oui. Comme 1984 par exemple. Ouais, des fois, ça fait peur. Hein. C'est pour ça que j'essaie toujours de mettre un peu d'amour, on sait jamais, ça finira peut-être par arriver aussi. Ouais. On sait jamais. C'est vrai, voilà, c'est vrai. L'amour. Pas essayer de se le faire pour voir. Pour voir, c'est joli. Xavier, il fait de la guitare pour vous ce soir. Merci de l'applaudir. Ça veut dire que c'est toi qui commences, on attend qu'on propose quelque chose. Ouais, un truc un peu, voilà. On va pas non plus plomber déjà pendant des heures. Ouais, c'est ça. On va essayer de plomber déjà quand on regarde la journée. On va faire des chansons, des valses. Thank you.
se dispersant au gré des songes. Le regard loin devant, le regard loin devant, le regard loin devant. Qu'il me revienne cette histoire, libérant des peurs anciennes. Le destin n'existe pas, 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 le destin n'existe pas. Et au coin de la bouche, le sourire, et au coin de la bouche, le sourire, et au coin de la bouche, le sourire. Ça me fait ça quand même. Comment ils font? On répète pas, des fois on se voit pas pendant des mois, donc ils font ça. Quoi ils font? Tu dis voilà, je suis quand même des tas, alors, j'ai déjà dit au dernier concert, c'est vrai, on a joué dans un endroit où il y avait un petit peu de monde comme ça. Donc quand vous enregistrez le concert et que vous les mettez sur la chaîne YouTube, il faut faire du bruit, sinon les gens ils pensent qu'il n'y a personne et nous on passe pour des bureaux. Donc on l'a fait. Ça va les gens? Bien, on vient juste, c'est le préliminaire pour l'instant. Allez, Solène, pour vous ce soir. Ouais, ouais, ouais. Alors, pas une valse. Bah non. Pas une valse. Un truc techno. Thank you.
perdu le goût de vivre et se foutre de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, béton bouffait le paysage. Le ciel redevenait sauvage. Les loups, ouh, les loups, ouh, les loups étaient loin de Paris. En Croatie, ouh, en Germanie, ouh, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire, car les loups étaient loin. J'aimais ton rire, charmante Elvire, car les loups étaient loin. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu. Dès que ça flaire, une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur entre les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Dès que la peur entre les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Les Germanie, ouh, les loups regardent vers Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Cessez de rire. Cessez de rire. Affronter la neige des boulevards. Les loups, ouh, les loups, ouh, les loups sont entrés dans Paris. L'un par Vichy, ouh, l'autre par Vitry, ouh, les loups sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Criveuil. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Neuilly. Il nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Les loups, ouh, les loups, ouh, les loups ont envahi Paris. Les loups ont envahi Paris, les loups ont envahi Bordeaux, Marseille, Lyon, Tours, Nîmes, Strasbourg. Les loups sont partout.
attiré par l'odeur du sang. Il en vint des mille et des cents, faire carousse, liesse et bombance dans ce foutu pays de France, jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité, jusqu'à ce que les hommes. J'aime ton rire, charmante Elvire, car les loups ont quitté Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire, car les loups ont quitté Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire, car les loups ont quitté Paris. Pour que les loups quittent Paris, pour que les loups quittent. Il a écrit ça en 1967. Elle a été chantée par un monsieur qui s'appelle Serge Reggiani. C'est ça pour les plus jeunes d'entre nous. Serge Reggiani. Qui a amené des gosses à ce concert? C'est pas que j'aime pas les gosses, vous voyez bien que c'est complètement hors de propos. Serge Reggiani, elle s'en fout, elle regarde ses bottes. Elle a raison. Serge Reggiani, il est loup. Donc 1967, quand il a écrit ce texte, monsieur Albert Vidali, tout le monde dit oh là là, le truc, il est nazi, machin, il est vilain loup. Et lui, il a dit non, pas du tout, c'est pas tout, non, pas du tout. Et quand on la chante maintenant, on se dit ah ouais, quand même, il est loup, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas trop parler parce que comme on est à l'état d'urgence, il faut que je fasse attention à ma gueule quand même. Donc je parle par métaphore. Vous voyez, loup, Bordeaux, tout ça, vous voyez? Bon. Vous avez compris? Chansons gays, hein, vous avez compris. C'est pour ça qu'entre deux chansons, je raconte des conneries condensées. Donc là, c'est pour mon tristement parce que je vais rechanter. 18 ans qu'on vit ça, je veux dire. Décalé. Thank you.
deviennent trop lisses, définitivement semblant y paraître. J'aurais aimé chanter tes contours, j'aurais aimé chanter tes contours, mais déjà bien refigurés. Pauvre bord dont tu dors, mais déjà bien défiguré.
Après, c'est aussi parce que j'ai mis un peu de mauvaise volonté, parce que si je mettais un peu de bonne volonté, il y a quand même la fête du vin, la fête du fleuve, le marché de Noël, les épicuriales. Donc je trouve que je suis quand même un peu de mauvaise volonté. Sous goût de festival. Sous goût de festival. Et bien sûr, à chaque fois que j'ai payé des lieux, on peut aller manger gratuit à la mairie. Bon, donc il y a quand même des bons côtés, quoi. Donc je pense qu'il faudrait que je revoie un petit peu ce texte. Bordeaux, tu dors, la belle endormie. En fait, non, Bordeaux est en train de se réveiller. C'est plein de jeunes cadres dynamiques qui viennent de Paris chasser des pommes pour venir s'installer chez nous. Bah, se plaindre quand même. Merde, parisiens, quoi. Franchement, ils sont venus ici qu'à Paris, visiblement. Hein, parce que... Bordeaux, tu manges. Pour manger, ça va, moi. Ça, j'ai bien compris, par contre. Moi, c'est Myriam, mais moi, je fais pas de ce que... Donc, au micro, c'est Myriam. Ouais. Parce que comme c'est l'état d'urgence, je ne peux pas tout dire. Mais renseignez-vous, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils sont en état d'urgence. Moi, ça fait 10 ans personnellement. Donc là, si vous voulez, depuis quelques temps, je me sens beaucoup moins seule. Pas mal de copains militants m'ont rejoint dans l'oppression. Donc je me sens beaucoup moins seule, mais ça fait 10 ans que j'étais un peu gênée, alors que c'est pas normal. C'est parce que je suis frisée, c'est parce que je suis noire, c'est parce que je suis une femme, parce que j'ai micro. Non, en fait. Mais non, tout le monde. Donc c'est bien. C'est bien. Parce que je finissais par être parmi les gens. Je me disais, ça se trouve, ils sont racistes. Alors que non, en fait. Pas seulement. Moi, je les cumule, mais c'est pas de ma faute. En fait, je suis pas vraiment noire, je suis qu'à moitié. Mais ça se voit pas. Là, je suis pas claire. Et moi, des fois, je vais souvent en Tunisie, alors en Tunisie, tout le monde fait hey, Myriam. Je dis non, moi, c'est Myriam. J'ai l'air con, hein. Myriam. Je passe par. C'était si exotique.
chance, tous ces malheureux. La mort a bas prix, ça vous tente, à votre bon cœur. La mort a bas prix, ça vous tente, à votre bon cœur. Messieurs, dames, allez! Thank you.
professionnels ou pas. Toujours est-il que si vous voulez pas des professionnels, on viendra pas nous, par exemple. Oui. Donc réfléchissez avant de dire des conneries dans les débats. Oui, hein, voilà. En plus, on est quand même pas cher. Donc nous, on serait contents de venir faire l'inauguration de la salle des fêtes. 17 septembre 2017. Voilà. Quand vous voulez. Surtout si donc il y a le loup de Bordeaux qui est là, je vous ferai grand plaisir de venir chanter pour lui. C'est un pote en fait. Hein. J'ai l'air comme ça de le charrier un peu, mais c'est parce qu'on s'aime beaucoup. C'est parce qu'on s'aime beaucoup. On a beaucoup de points communs, moi surtout des points, mais voilà, c'est une plus longue histoire. Vous en voulez encore un petit peu? Ouais. Alors on s'est dit aussi qu'on ferait peut-être tourner une petite caisse, mais comme je vois qu'ici il n'y a que des peu chers comme nous, il n'empêche que si vous voulez mettre un chèque, une pièce, pardon, je me trompe souvent, vous n'hésitez pas, la caisse elle est là, ça vous fera plaisir, c'est pour payer la drogue. C'est pour ça que je rigole beaucoup, madame, c'est parce que je prends la drogue, sinon... Comment vous pensez qu'ils font, les gens? Les gens qui rigolent à la télé, vous croyez qu'ils font quoi? Oui, c'est de la drogue, de malade, c'est TF1, tout ça. Moi, je pense que pour l'inauguration, c'est top. Surtout s'il y a des jeunes. Ça va parler à pas mal de gens. Nous, on est un groupe, on plaît à beaucoup de gens en général. Maintenant, on joue même dans les maisons de retraite. Pour vous dire. Non, mais c'est vrai, on a vraiment joué dans une vraie maison avec des. On est arrivé, c'était comme ça. En fait, on croyait qu'ils étaient morts. Mais non, dès qu'on a fait gling, ils sont venus. Ah, il y a le truc là-bas, reste. Non, c'était très bien passé. Non, non, c'était très très bien. En plus, eux, c'est pareil, ils n'ont pas trop l'habitude de voir des frisettes, sauf quand on leur envoie les chiottes derrière. Là. Donc là, ils étaient contents de voir qu'il y a aussi des frisettes qui chantent et tout, comme Joséphine Baker, mais sans ceinture de banane, parce qu'on est en 2015. Je suis en pleine forme. Non, non, c'est vrai, je suis humaine. Parce que j'hésite encore entre une carrière de comique et une carrière de poète, mais. C'est comme ça entre autres, parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais là en ce moment on se croise surtout sur ce collectif. Donc chaque année, qu'est-ce qu'il me fait faire? Elle m'amène devant la prison pour que je chante une chanson que j'ai écrite pour lui. Donc vous voyez, on peut plus faire ça vraiment. Franchement, moi je pense que ce mec il a qu'à rester en prison. Et moi je prends pas le risque d'aller chanter pour un type que j'ai jamais vu quand même. Donc ouais. Donc c'est sans doute la dernière année que je fais ça, donc je profite là parce que apparemment entre amis, il n'y a pas de micro quelque part, il n'y a que nous qui filmons, donc on maîtrise. Donc je sais pas, donc, je crois qu'elle veut qu'on fasse ça. Sauf que je sais pas si je laisse cette chanson à part dans ma tête, je sais pas, voilà, non, on fait un truc. Chanson d'amour.
vie de longue peine à ne pas savoir comment te retrouver. On s'en charrie de longue peine à ne pas savoir comment te retrouver. Plus je te lorgne et plus j'ai envie de m'éloigner. Tes rues m'engorgent et tes plaines mettent mes plaies à nu. Sans morceaux. Tout parfait. Vous voyez, on a quand même réussi à faire un peu l'amour ce soir. C'était bon, hein? Grâce à Solène. Bien sûr. Et à Xavier aussi. Plus petit d'œil. On sent que c'est quand même c'est féministe. Alors, Isa, j'ai pas bien compris. C'était la complainte. Je sais pas si tu l'as fait ce soir. Si tu veux, je t'avais pas prévu. La complainte, genre, j'ai pris ta là. Bah ouais. Allez, on va la faire. C'est presque une exclusivité mondiale. De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est une exclusivité mondiale. Vous avez compris. Et notre monde, c'est vous. Juste pour la petite histoire, quand ça se fait dans une centrale de haute sécurité, c'est assez émouvant, il faut dire. C'est pour ça que j'aurais dit que j'irais plus d'ailleurs. Parce que savoir, ça fait trois fois que j'y vais. Soit il le laisse sortir, soit je sais pas, mais là, par les temps qui courent, j'ai l'impression qu'il va pas sortir. Je sais pas, je sens comme ça que, tu vois. C'est con, hein. Bah non, ouais, bah non, mais le mec il est barbu et tout, quoi, ça va pas. Regardez, Xavier, il s'est rasé, tu vois. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Mec, on est en 2016 bientôt, arrêtez les barres, putain. Vous voyez bien que ça pose un problème à tout le monde. Ouais, le truc, je comprends pas. Voilà. Mais oui, j'en ai en face de moi depuis ce soir, je suis comme ça, je regarde, je me dis putain, ça se trouve, on sait pas quoi. Fout dans sa culotte, il y a des kalachnikovs, on sait pas, il est barbu le mec. Ben oui. Parce que des barbus, je me souviens qu'il n'y a pas que les musulmans qui sont barbus. C'est là où ça devient compliqué à savoir c'est qui les bons barbus, les mauvais barbus, les barbus trop barbus, les barbus pas assez barbus. Moi je sais plus. Alors je sors plus de chez moi. Ça c'est plus sûr. Et j'ai envie même de me regarder dans la glace comme j'aurais des trucs. Mais non, c'est pas rigolo l'époque dans laquelle on vit, c'est pas rigolo.
Mort au barbu, moi je vous le dis direct. Mort au barbu. Non, malheureux. J'en ai besoin, mon vieux. Ah, c'est vrai. Ah, mais évidemment. On ne l'a pas dit. La complainte de Georges Ibrahim Abdallah. A cappella, donc. Avec le refrain que Isa et Sarah pourra chanter aussi. Parce que vous allez pouvoir le chanter. Et vous allez pouvoir chanter, parce que de toute façon, c'est moi qui ai écrit l'air de cette chanson. J'ai fait très peu de chansons dans ma vie. J'ai fait trois chansons dans ma vie, je crois, vraiment écrites avec une musique et tout. Et en général, comme je ne suis pas musicienne, vous allez vous en rendre compte tout de suite, c'est assez simple, voire simpliste, parce que voilà, quand on n'est pas musicien et qu'on a que sa voix et qu'on n'est pas très doué comme moi, on fait les choses simples, en pensant aux gens comme vous aussi, bien sûr. C'est un partage de compétences. Dans les vieilles geôles françaises, y avait un prisonnier. Depuis 30 ans, à Dieu ne plaise, derrière des barreaux enfermés. C'est une zone de non-droit, un lieu qu'un seul homme parcourt, bien plus qu'une cage, un endroit où le temps a fini son cours. Refrain. Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Que devient l'homme entre les murs? Rêve-t-il de Kobaya? Sent-il le vent comme un murmure sur la plaine de la Béka? Voit-il au-delà du grillage Beyrouth la belle et dans l'effroi? Pleure-t-il de tristesse et de rage sur les cendres de Chatila? Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? L'homme est là et toujours se dresse, l'homme est là et toujours se bat. La liberté n'a pas de laisse, la lumière ne vient pas d'en bas. Quand se pavane l'injustice, et lorsque je ne sais plus les paroles, pour ça je fais un truc qui ressemble à rien, refrain. Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Vous qui voyez le temps qui file aux fenêtres des jours perdus, songez aux longues heures fébriles, songez aux allées venues. Quand se pavane l'injustice et lorsque vos yeux se détournent, c'est bien un jour de plus qui glisse dans ce cachot où l'homme tourne. Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Qu'on lui ouvre grandes les portes, qu'il revienne à nous triomphant, que nos chants de victoire le portent au pied des cèdres du Liban. Dans les vieilles geôles françaises, y avait un prisonnier, plus de 30 ans à Dieu ne plaise, derrière des barreaux enfermés. Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Merci pour lui. Pensez pour lui, parce que lui,
Voilà. Chaque fois qu'ils s'avancent pour dire au tribunal, bon là ça fait quand même 25 ans les mecs, ça serait bien que je sorte. Non. Là c'est le terrorisme. Donc on y est allé pas plus tard qu'en octobre, donc il entame sa 32e année. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens ici... Ah non, il est parti là-bas. Ramenez les gosses! Il y a peut-être des gens voilà, qui ils ont même pas vécu la moitié du quart de sa vie que Georges Ibrahim il est encore en prison. Voilà. Donc un jour il sortira. Donc pour lui, pour tous les prisonniers politiques, pour Gaza, pour tous les réfugiés de nos guerres. Bon, maintenant on va faire un truc un peu récemment. Nos morts et nos prisonniers. Tu veux. Non. Et toi, putain, c'est mon concert, mon mec! On veut des petits de la vignette! Vous voulez chanter encore un petit peu? Ouais, on va. Et ça, c'est vraiment pour les copains anarchistes. Hein. Je sais pas s'il y en a par ici, mais j'ai l'impression, madame, que vous flirtez parfois avec l'anarchie. Mais sans l'anarchie, il vaut mieux flirter avec. Surtout par les temps qui courent, je le rappelle.
et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence et le bagne se peuplera. Ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, et gare, gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça prend dans le manche, les mauvais jours finiront, et gare, gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Des bonbons qui viennent acheter, ils sont juste en bas de chez moi. C'est hyper dur, hein. C'est hyper dur. Et des fois, je me réveille quand je sors de chez moi, je fais. Babylone, putain, c'est genre. Voilà. Mais bon, comme ça fait 20 ans que j'habite là, j'ai l'impression d'être un peu une résistante dans mon quartier, oui. D'autant que, donc, avant quand je suis arrivée, il y a des frisés, mais là, il n'y en a plus. Il y avait aussi des vieux, mais il n'y en a plus. Bon, c'est normal, ils sont morts. Mais quand même, ils pourront en mettre d'autres, par exemple, ouais. Bah ouais, parce que forcément, même si les vieux ils meurent, il y en a d'autres qui deviennent vieux quand même.
Je sais pas où c'est qu'ils les mettent. On les cache. Du coup, on est obligé, nous, au PA, d'aller chanter dans les maisons de retraite. Alors, ce qui vient quand même quand on chante dans les maisons de retraite, c'est qui nous paye. Voilà. Ah, parce que les vieux, ils ont une pipette. Donc, ils nous payent. Mais, vous voyez, on en est. C'est grave. Faut dire, c'est la crise quand même. On joue dans les maisons de retraite. Après, ça fait plaisir. Il n'y a pas de raison que les personnes qui ont du mal à se déplacer ne puissent pas venir nous voir. On va les voir. C'est tout à fait normal. Quand je serai vieille, moi, j'aimerais bien qu'on vienne chanter. On sera pas vieux, c'est ça. On n'aura pas de retraite. Ah, pardon. Ouais, c'est ça. On aura peut-être des maisons, mais pas de retraite. Pas de retraite. Non. Myriam, s'il vous plaît, Myriam. Si tu peux dire que c'est sympa qu'on soit venu par exemple. Non, oui, merci beaucoup aux artistes qui ont participé ce soir. C'était une belle préfiguration. On espère vous revoir en 2017 à la salle des fêtes. Oh, mais alors non. Et on a d'autres réunions avec les habitants. En 2017 à la salle des fêtes et avant, oui, voilà. Pour participer au salle des fêtes, on n'en parle pas. Et aux prochains événements qu'on mettra en place. Voilà. Et puis pour les personnes qui sont intéressées, le collectif est ouvert. Vous pouvez rentrer, ressortir quand vous voulez et venir en fonction de vos disponibilités. Voilà. Après, on est merci à tous. Merci à vous. On peut en faire une toute petite dernière, mais allez, pour clôturer, parce que... Allez. Pour clôturer. Parce que moi, ça me fait carrément chier de finir avec un truc d'un auteur qui est mort, quoi. Non, franchement, ça fout pas le moral, tu vois. Je veux dire, Jean-Baptiste Léman, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais quand même, il est mort, tu vois ce que je veux dire. Donc là, si la petite, elle était encore là, alors déjà, Reggiani, elle s'en foutait ses bottes, alors Jean-Baptiste Léman, elle n'a rien à carrer. Et qu'est-ce qu'il y a comme auteur qui est mort, c'est ça. Donc nous c'était l'orchestre poétique d'avant-guerre. Enfin, bientôt on s'appellera d'après-guerre. On attend que ça se termine. Pour l'instant c'est OPA, mais orchestre pendant-guerre. Voilà, on va s'appeler comme ça. Après, post-guerre, enfin voilà. À chaque fois qu'on nous demande pourquoi on s'appelle comme ça, honnêtement, je ne sais plus. Donc on ne posait pas la question. Ça fait 18 ans, entre temps j'ai fumé pas mal de choses. Ça devait être un truc pertinent à l'époque, mais là maintenant quand je le dis, orchestre poétique d'avant-guerre, ça même le pénasse comme nom. Donc du coup on dit OPA, c'est plus simple. Vous pouvez nous retrouver sur internet, donc opaww.opa33.org. Alors on a une autre particularité en plus d'être géniaux, comme vous l'avez remarqué ce soir, on est aussi sous copyleft. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait c'est sous Creative Commons. Tous nos albums, tous nos textes et tout ça, vous pouvez le retrouver librement téléchargeable sur notre site internet. C'est libre. C'est gratuit. Vous pouvez aller chercher les albums, les textes et tout ça, les diffuser, les écouter. Vous avez le droit de les copier, vous avez le droit d'en prendre des tout petits bouts et les mettre dans vos chansons si vous avez envie. Vous pouvez surtout les envoyer donc au loup de Bordeaux, ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir. Ouais, n'hésitez pas à signer de notre part et tout, que vous êtes des fans, par exemple, ça le ferait. C'est jamais. Parce qu'après, on pourrait être à l'inauguration de trucs beaucoup plus importants que votre salle des fêtes. Oui. Non, mais on vient quand même, nous on n'est pas bégueux, on vient quand même, mais c'est vrai que bon, franchement, ça nous, on vise plus haut. Parce qu'il sera peut-être un jour le président de tous les Français. Voilà. Donc, ça se trouve, pour si jamais il est président, il nous demandera de nous venir chanter à l'Élysée. La semaine sanglante à l'Élysée, ce serait pas mal. Et ouais, puis Georges Brunin, pas mal. Ouais. Tout en improvisation, un grand big up à Solène, s'il vous plaît, qui a fait du violon. Un grand merci à Xavier qui a fait de la guitare pour nous ce soir. Un grand merci aux Siameuses qui ont siamé pour nous ce soir. Aux camarades du Cri du Peuple qui ont donné de la voix pour nous ce soir. Pour ces débats, pour cet amour échangé en ces périodes donc difficiles, encore une fois, toujours plus d'amour, parce qu'il n'y a pas de discours politique qui tienne autour de ça, vous comprenez, il n'y a pas de discours politique qui tienne autour de ça. Ils font tout pour plus qu'on se parle,
Ils font tout pour plus qu'on se rassemble. Ils font tout, mais ça fait longtemps qu'ils y travaillent. Mais là, ils arrivent vraiment pour nous désigner des coupables. Dans les temps difficiles, c'est très facile de trouver des boucs émissaires. Par exemple, moi, les barbus. Ouais. Donc, il devient urgent d'être un petit peu plus nu et de se rendre compte qu'une fois qu'on a sorti sa barbe et son niqab, on est tous pareils. C'est très simple ce que je dis, vous l'avez déjà entendu et tout ça. Mais ce qu'il faudrait, c'est le pratiquer. Voilà. Moi, par exemple, je fais l'amour régulièrement. Et vous voyez, je suis en pleine forme.
mémoire à fleur de peau. Pourtant la moisson à cueillir pour chacun d'entre nous. Et plus jamais la soif. Et plus jamais la faim. Alfredo, mon frérot, je le sais au fond de moi. Le rêve est bien vivant, je le sais au fond de moi. Le rêve est bien vivant. Et je le cherche pour le chérir, pour les enfants de l'avenir. Je le cherche. Sur ce carton, et pour ton âme qui nous veille, pour ton corps raide sur ce carton, pour ton âme qui nous veille. Tenir éloignés les uns des autres.